pour l'application du vitrificateur, je charge bien le rouleau. Je pars du milieu. Et là, vu qu'il fait super chaud, il va falloir que j'aille vite. Les coins. Et je lisse. Sans appuyer. Là, j'appuie pas du tout, là. Si on appuie, on laisse des cordes ici. Ça fait une surépaisseur. Là, il n'y a plus qu'à poncer, quoi. Voilà, c'est tout. Et je reviens pas dessus. Bon ben ça c'est la première couche. Après égrenage au 500, chiffon, après deuxième couche et troisième couche dans la foulée. Enfin, espacé de 3 heures bien sûr. Après, entre la deuxième et la troisième couche, il faut juste passer la main pour voir s'il n'y a pas besoin d'un petit égrenage. Mais si c'est pas nécessaire de poncer parce que c'est lisse, bah, vaut mieux ne pas poncer en fait. Ce sera plus résistant. On va où, assistant ? On va chez mamie et papy ? Oui. Nana. Nana, c'est la cousine. Et on va faire quoi? Eh ben, allons-y. Bon alors ça par contre je comprends pas du tout, je n'arrive pas à le faire marcher. Normalement il y a des petits picots là à l'intérieur, là, des petits pics. Et quand on vient taper dessus avec comme ça, ici ça rentre les pics à l'intérieur du bois. Alors peut-être que le HDF est beaucoup trop dur, alors du coup ça rentre pas. Ou alors je m'y prends mal mais je vois pas. Normalement c'est pas censé coulisser comme ça quoi. Donc ça fonctionne hein, quand même, hein, j'ai essayé. On peut quand même les rentrer, mais le truc c'est que bah, on les perd un peu quoi. Ils tombent. Quand on prend la planche, elles tombent. C'est un peu embêtant. Pour l'instant, c'est pas une réussite. Hein. Voilà, je fais ça sur toutes les planches. C'est la préparation de base. Chanfrein sur l'avant et je casse les angles sur les côtés.
Donc je confirme, hein, c'est bien une question de densité du bois. Dans le MDF, ça rentre impeccable. Bon ben en fait c'est ni l'un ni l'autre, c'est juste que j'ai fraisé beaucoup trop profond. Donc forcément, ben, ça peut pas rentrer en contact quoi. Donc quand on tape, les picots ils partent, mais ils viennent pas dans le bois, ils viennent dans l'espace qu'il y a là. Du coup, ben, y a aucune prise. J'ai fraisé trop loin. Parce que ici ils disent de mettre sur off, mais il y a la deuxième molette aussi, qui moi j'avais laissé sur max. En fait il faut la mettre à zéro. Voilà le problème. Bon ben voilà, hein. C'est bon, maintenant je sais comment ça marche. Laissez allumer. Arrêtez de jouer avec ça et vous laissez allumer. Stop. La lumière fait. Eh ben oui, parce qu'il faut arrêter de jouer avec les lumières. On ne joue pas avec la lumière. Descends avec. Tu peux monter sur la petite aisselle. Mais j'ai pas envie. Qu'est-ce qui est à dire à tonton Willy? Le collage, il faut. Ah, mais ça va, c'est bon. Attaquez. Là, c'est bon. Floki ? Hein ? Pourquoi tu mets pas du rubio ? Dis quoi ? Arrête tes bêtises. Nickel. Moi j'aime bien le HDF coloré comme ça. Parce qu'en plus il y a des propriétés sympas quoi. C'est ignifuge, c'est hydrofuge, vermifuge et Jeff de Bruyne. Si vous en avez d'autres, mettez-les en dessous là, dans les commentaires. Alors bien sûr, la vitrification, donc la finition, se fait à la fin. Finition, d'accord? Donc c'est après tous les usinages et après tous les traitements qu'il y a juste avant. Hein. Juste avant la pose. Parfois même, on fait la finition après la pose. Ça arrive, mais bon, c'est un peu plus chiant, quoi. Hein?
concrètement, on peut pas mettre ce genre d'assemblage de partout. Voilà, parce que il y a une rainure qui va rentrer comme ça et l'autre qui va rentrer comme ça. Physiquement, c'est pas possible. J'ai gardé la rainure, mais j'ai enlevé juste les assemblages d'ici. Je vais coulisser comme ça et venir me poser dedans. Voilà, donc quand on s'y prend comme un gland, c'est comme ça. C'est montage à blanc ou c'est pas montage à blanc là? C'est con hein. Faut y réfléchir avant quoi. Nickel. Ça c'est sûr. Tonton Willy, toujours là. Tu sais comment je me suis fait chier, hein, Tonton Willy? Ça, hein, je me suis fait chier, Tonton Willy. Ouais, tu l'as vu en direct live. Johan, si tu veux, il y a des chouquettes. Oh putain. Mais c'est pour ça. Oh putain, les chouquettes quoi. Ah, oh, il y a des chouquettes. C'est super beau. Ouais. Voilà du beau boulot. Ok, tout est droit, il n'y a plus qu'à visser. Donc là, dessous il y a le tasseau, vous vous rappelez? Donc je vais visser par dessous pour éviter que tout le meuble bascule vers l'avant. Non. Avec le poids qu'il fait, ça ne bougera pas. Mais je vais quand même visser dessous, comme ça au moins ça gardera le niveau. Et après, piscine. Hein le bof? Ah oui. Les petites chouquettes hein, sont bien posées là, voilà, regarde comment ça marche. Tu vois? T'en veux des chouquettes? Parce que moi ça me dit rien. Moi ça me dit rien. Alors, bah, à peine. Allez, je t'en ai. Moi tu sais, les chouquettes, c'est pas trop mon truc. Tiens, je te les mets là. Oh putain, elles sont bonnes en plus celles-là. Je te mange sur la tronche. Maintenant, à la piscine! Pas encore, j'ai perdu. Fais mousser là, parce que moi je peux pas me tirer là. Elle a pas de... Là, là.